Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire du plat de côte avec des légumes au four. Donc, j'ai besoin d'un plat de côte. Ce sera pour deux personnes, ça. Parce qu'on n'est pas des gros mangeurs. Après, les quantités, vous regardez ce que vous aimez, vous. Certaines personnes en mangent une entière. Mais nous, là, c'est pour deux. J'ai un reste de sucrine ici, deux demi-poivrons et une tomate chacun. J'ai coupé les tomates en deux, comme ceci. Et je vais préparer, alors pour ma sucrine, dans mon petit bouchon d'huile d'olive, je vais mettre un petit peu d'huile et je vais venir en mettre pour que ça rentre au travers de mes légumes, enfin de ma sucrine. Ensuite, je vais saler mes légumes. Je vais les poivrer. Et je vais mettre des herbes de Provence. Sur les tomates, j'en mets assez. Voilà. Je vais mettre un tout petit fond d'eau. Donc vraiment un fond, c'est pour pas que ça brûle au fond du plat. Voilà, mes légumes c'est archi simple, il n'y a plus rien à faire à part les mettre au four. Donc ça, je mets de côté. Maintenant, on va s'occuper du plat de côte. Donc si vous voulez le dégraisser un peu à l'avance, vous pouvez. Moi, je vais laisser quand même un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre un peu d'huile. D'huile d'olive, mais c'est juste pour que ça rôtisse. Il n'y a pas besoin d'en mettre une quantité astronomique. Il faut vraiment donc on badigeonne partout. Et on fait ça des deux côtés. Voilà. On va saler, poivrer et mettre des petites herbes de Provence pour pas saturer la viande. Là, je vais le mettre directement dans le plat puisque je fais l'épice. Alors on sale des petites herbes de Provence et un peu de poivre. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vais allumer mon four à 190 degrés et je vais enfourner pour 40-45 minutes. Et mes légumes, il faut une bonne demi-heure pour les cuire. Donc, je vais mettre quand il y aura déjà un quart d'heure de passé. Je mets 45 minutes pour la viande et au bout d'un quart d'heure, je viens poser mon deuxième plat à côté qui va cuire, lui, une demi-heure. Donc, c'est parti pour la cuisson. Four 190 degrés, 45 minutes pour la viande, une demi-heure pour les légumes. Donc, au bout d'un quart d'heure de cuisson de la viande, on vient poser le plat de légumes. À tout à l'heure! Plat. Alors voilà pour mes légumes et voilà
mon plat de côte. Il n'y a plus qu'à dévorer. Voilà. Bon appétit.